Bonjour à toutes et à tous, c'est Toramni pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve pour un petit unboxing. Alors vous savez sûrement ce que je vais unbox en ce moment, mais je ne sais pas pour l'instant, je suis pas sûr. C'est-à-dire que vous avez sûrement vu le titre, vous allez sûrement voir ce que je vais unboxer, justement vous expliquer ce que c'est dès que je saurai ce que c'est. Mais pour l'instant on va voir ce que c'est, ok. Donc attention. Donc ça vient de Chine, j'ai acheté ça sur Wish. Voilà, donc voilà. J'ai acheté plein de choses. Là, ça me fait des trucs à ouvrir. C'est vraiment des trucs pas chers du tout. Franchement, c'est. Ne vous imaginez pas des trucs. Bon, pas comme mon dernier unboxing qui a coûté super cher. Mais ça, c'est parce que c'était mon anniversaire. Là, c'est vraiment juste des petits choux. Truc, donc. Bon, j'ai ouvert comme ça. On va sortir ça tout de suite. Ok, d'accord, je sais ce que c'est. Il y en a deux, parce que j'ai commandé en deux exemplaires. Attention. Voilà, donc voilà, vous avez vu ce que c'est. Il y en a un qui est ouvert, je sais pas pourquoi, j'essaie de le refermer. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. J'en ai commandé deux, exactement les mêmes, il me semble. Alors, c'est ça, ouais. J'ai commandé deux hand spinners. Alors voilà, c'est des hand spinners blancs. Donc c'est pas, j'ai pas pris les moins chers, ils sont plutôt pas mal. Ceux-là, il me semble, c'est 8 euros chacun, il me semble. C'est quand même assez cher pour les hand spinners. Oh là là. Donc là je vais ouvrir le mien. C'est le mien. Alors voilà, je pense que de toute façon les deux sont pareils, non, je vais casser, pas grave, on va juste le ouvrir. On va voir ce que ça fait dans, ce que ça donne dans la main, quoi. Ouais, je vais. Alors il y a un truc en vrai, ah ouais, ça tombe longtemps quand même. Est-ce que j'arrive à faire tenir sérieusement? Ah ouais. Le bruit que ça fait, je sais pas si vous entendez. Ça fait un bruit de friction. Enfin, faut vraiment. Faut que je m'habitue. En gros, je vous explique si vous connaissez pas le principe. Si vous voulez, les hand spinners, c'est des. C'est un objet avec des billes. Donc là, on va voir celui-là, il me semble. Là, on voit. Sur celui-là, on voit les billes. Donc en fait, il y a des billes, et en fait, c'est un système de rotation avec des billes. C'est-à-dire que la friction est vraiment, enfin, ça tourne super bien, quoi. Et en fait, on tient ici la partie qui tourne ici, on la tient des deux côtés, comme ça, et on fait tourner. Alors, je vous rappelle, en fait, je vous dis, ça sert à rien. Ça n'a aucune... je vais essayer de faire... Oula, excusez-moi pour ça. C'est chaud quand même de lancer en même temps. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on dirait que celui-là il va pas vite en fait. Mais en vrai, il va super rapidement. Et je vais essayer d'aller super. Encore plus rapidement. Voilà, là on dirait un peu qu'il va à l'envers, tu vois. C'est un effet. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un effet en gros, ça va tellement vite que l'œil a pas le temps de voir la rotation. Du coup, ça tourne à sens inverse pour vous. Mais en vrai, ça se tourne en fait, très rapidement. Et en fait, ça sert à rien. C'est un moyen de déstresser. Enfin, je sais pas si vous avez déjà l'habitude. J'ai reçu un message sur Skype là. Avec vos stylos de faire, bon, moi j'arrive pas, mais si vous arrivez à tourner votre stylo comme ça ou avoir plein de. Comment on appelle ça déjà? Plein de tics ou des trucs comme ça pour vous déstresser pendant que vous parlez haute, et bah là vous êtes juste comme ça, vous faites tourner votre truc à une main et vous parlez, enfin ça permet. C'est juste ça, c'est tout. Et j'en ai acheté deux parce qu'il y a un pote en fait, je voulais m'en acheter un pour une vidéo. Et il y a un pote qui m'a dit ouais moi aussi je voulais m'en acheter un, je lui dis bah oula excusez-moi pourquoi. Et je dis bah tiens pourquoi pas je t'en achète un en même temps. Donc ça ira en même temps, ça ira en même temps. Ah ça fait une parfaite vidéo là. C'est bizarre. Ça tombe vachement bien en fait. Par contre ouais, j'ai peur parce que si ça tire quand même sur une main, il va tomber très rapidement quand même. Oula. Là j'ai tourné très rapidement. Est-ce qu'on va voir la rotation inversée? Non. D'ailleurs salut, vous me voyez maintenant. Hop là. Putain la vache. J'ai du mal à lancer les hand spinners. Alors Ouais.
Non, c'est sympa. C'est sympa. On va lancer les deux en même temps, attention. Ça sert à rien. Double spinner, attention. Voilà, ça c'est ma miniature. Un double spinner. Allez, je prends la photo pour la miniature. Enfin bref, voilà. Donc, non, c'est juste, j'ai juste reçu ça. Oula, faut pas que je me fasse tomber. J'ai juste reçu ça maintenant, tout de suite. J'ai commandé ça peut-être il y a 2 semaines avant les vacances. Je sais même plus s'il y a 1 semaine. Donc ça, c'est bien plutôt rapidement de Chine, je pense. Donc voilà, je pense que je suis assez content, c'est marrant. Je vais mettre un, je vais remettre dans sa boîte. Donc celui-là, on va le remettre dans la boîte. On va faire une petite boîte, hein. C'est du no name, and self, work class home, voilà. Made in China. Mais c'était pas les moins chers, parce que je voulais pas un truc qui se casse en 2 secondes. Donc voilà. Donc celui-là, je vais remettre à mon pote. Et l'autre, je vais le garder. Hop là, on va remettre dans la boîte. Une vidéo très courte. Hein. Oh, bon, par contre, on voit bien que je sais très bien rembailler les trucs. Enfin, ouais, ça, je vais mettre de côté. Et ça, je vais jeter. Voilà, donc bon. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour en acheter un, et bah vous faites comme vous voulez, hein. Achetez-en un si vous voulez, je mettrai un petit lien dans la description pour en acheter un si vous êtes intéressé. Ça coûte pas très cher, le moins cher tu peux en trouver pour 1€, plus les frais de port maximum 3€, et tu peux payer via PayPal sur Wish, c'est pas mal. Et franchement, ça sert à rien, mais si vous avez 3€ à dépenser et que vous vous faites chier en cours ou juste tout simplement vous voulez un truc pour vous occuper un peu rapidement, en fait, j'ai encore pas vraiment, c'est pas vraiment pour juste laisser celui-là tourner un peu rapidement. Et je veux dire, bonne fin de journée, bonne journée à vous. C'était Orami, ciao tout le monde.